Bon allez les gars, c'est parti. On est parti pour la suite de l'aventure. Je tourne tout de suite cet épisode après l'épisode présentation et l'épisode 1 de notre aventure. Oui, là on est dans les sauvegardes, j'ai cherché, comme vous voyez, j'ai une sauvegarde à 51 jours, c'est pas mal. Enfin bref, on charge cette sauvegarde et on reprend là où on en était arrêté. On va sûrement commencer par de l'avance rapide hein, en masse pour accumuler un maximum d'argent. Parce que tout le monde aime l'argent, franchement. On va pas se mentir. Alors, du coup, oui, c'est la raffinerie, j'ai compris. Alors là-dedans, y a-t-il des nouveautés? Rien d'intéressant. Eh ben, on perd pas de temps et on part dans Je me pose une question, c'est pas ça, moi? C'est pas ça? Ouais les gars, il se passe quoi là? C'est la fin du monde ou quoi? Non mais c'est ouais. Du calme les gars. Mais ils sont tous en guerre les uns contre les autres, ma parole. C'est quoi cette guerre là? C'est ah oui, c'est pas de la petite guerre là. Mais en fait, ils se tapent tous dessus, hein. Ah, une grande paix. Je crois que ça va baisser le nombre de guerres d'un coup. Ouais, non, il y a... Oh, mais c'est quoi tout ça? Mais c'est passé quoi là? En fait, j'aurais dû suivre parce que c'est effroyable le nombre de guerres qu'il y a eu. C'est pas très cool, les gars. Bon, tandis que moi, je fais mon argent dessus, hein, j'en ai mis. Oh, j'aurais dû faire construire une. Je sais pas si j'avais l'argent pour faire construire une usine d'armement. Ça aurait été parfait, ça produit des boucliers, des trucs hyper slip, etc. Enfin, bref, c'est parfait une usine d'armement, ce genre de cas. Mais bon, sans envie de dire, on a déjà notre raffinerie, c'est déjà bien. Puis on gagne pas mal d'argent, hein. Hop là, je reviens ici hein, parce que je me suis dit qu'on va se faire un peu de scratch hein, de ça. Mais avant de faire ça, comment dire, on va vite fait construire quelque chose. Voilà, on va construire. Ça coûte trop cher. J'allais dire une plateforme de défense, mais c'est peut-être un peu cher. Hein. La vache, vous avez vu le prix? 150 000. Alors du coup, ouais, il est temps de présenter ce menu parce qu'on va pas tarder à arriver ici. Voilà, on peut construire un certain nombre de trucs. Bon, on va pas le faire. Hein. Donc on peut construire des small satellites. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Storage locker. On va en construire un parce que pourquoi pas. Build. Voilà. Il va se construire tout seul. Après on a quoi d'autre? Des storages qui vont permettre de stocker des trucs. Des défenses basiques qui vont défendre notre base, des défenses médiums qui vont mieux protéger notre base. Alors, les défenses, on peut les améliorer nous-mêmes. Comme les composants, en fait, la station aussi, on peut l'améliorer. Si je vais dans la station et que je vais dans composants, je peux faire en sorte qu'elle ait de meilleurs trucs. Tout à fait. Je crois que c'est Ugrad ici. Voilà, je peux lui donner de meilleurs trucs parce que par exemple là. Elle a que très peu d'armes, donc on va quand même lui donner un minimum d'armes, c'est-à-dire des lasers de niveau 2. C'est déjà mieux que rien. Je veux que tu l'achètes. Ça va me coûter un peu d'argent, mais c'est au cas où qu'on finisse par se faire attaquer, qu'on ait de quoi se défendre. Donc, ça, c'est une tourelle, donc ça va être encore de lasers de niveau 2. Hop, small launcher. Shield, générateur et une capacité non négligeable. Je veux plus de capacité. Voilà. Et je crois que ça, du coup, ça, le cargo de la station a pas mal augmenté suite à ça. 2500, ça va pas bouger. Alors à quoi sert le cargo? Je me demande si le cargo ne servirait pas en fait à. Ah, attention, attention, attention. Ouais, non, je vois pas trop à quoi sert le cargo. La capacité d'énergie, j'ai dû augmenter. Je viens de comprendre quelque chose là. Ça doit être la capacité. Si je vais dans info. Voilà, c'est l'énergie en fait. Ok, je viens de comprendre. Bon, d'un côté, tant mieux, parce que plus on a d'énergie, mieux c'est. Bon bah pas grand chose d'autre hein, du coup on va pas bouger hein. Je peux vraiment pas améliorer le cargo même si je alors du coup le cargo là il est de
2500 maximum. Donc si je build... Non, pas ça. Si je build ça là, est-ce que ça va pas build? Attends, on en a rien. Je vais passer le temps pour qu'il soit construit quoi. On est quand même à 280 000, hein. On commence à rapporter. Je sais pas si c'est quoi qui rapporte le plus. Ah bah il est construit en fait le storage. Et si du coup je vais dans... Maintenant dans le cargo de la station. 2500, ouais. Et si je vais dans là du coup dans propriété. Cargo transfert. Y a pas un moyen que je lui dise en mode ouais, dès que t'es plein, transfert à ce cargo. On va le laisser là, ça va pas changer grand chose. Le reste continue de se développer. Je veux rejoindre ce vaisseau. Alors, du coup, on est dans quel endroit? Donc, on est en train de se faire bolos ici. Alors, du coup, c'est ce que j'appelle quelque chose d'imprévu. Secteur map, il y a combien d'ennemis autour de nous? Alors, au niveau des munitions, on est comment au niveau du cargo? On est à sec, hein, je crois bien. Je crois bien que ça va être complexe. Surtout qu'il y a de l'ennemi hein, et pas du petit. Donc eux, ça va être complexe. On va reprendre. Ouais, ça va être complexe de défendre ce vaisseau là. Et... Oh là là! Oh mais. C'est. Si je fais des pauses là? Ok. Je viens de comprendre quelque chose de très important. C'est très simple, c'est qu'on va perdre ce vaisseau. Donc, si on va perdre ce vaisseau. Déjà, je vérifie au niveau du cargo. Ship, cargo. Il y a de la roquette, un peu de missiles. Très peu de chances qu'ils s'en sortent en soi. Ouais, bien sûr, je peux pas faire hyper slip. Mes deux vaisseaux sont partis là-haut. Et je vais tout simplement prendre le contrôle de ce vaisseau. Et on va focus un vaisseau en particulier. Allez, on va se battre un peu avant de perdre ce vaisseau. Hop. Ah ouais, mais j'ai aucune chance. Je suis à l'arrêt. À bâbord pour... On va se les prendre. Autant se les prendre sur le côté. J'ai peut-être fait une erreur en plus. Je crois que j'ai attaqué. Je crois que j'ai fait une erreur et que j'ai attaqué une station. Et si on allait dans faction mineur, je pense que voilà et voilà. Comme diplomatie, trousse. Ouais, ok. Au moins ça c'est réglé. Ensuite, les bandits. Comme diplomatie, trousse. Ils veulent pas faire la paix. Donc ils m'ont détruit mon vaisseau, c'est l'enfoiré. Du coup, j'ai perdu mon vaisseau de protection. De ce fait, je vais direct aller dans les
Et dans le request taxi. Oh, je voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. On va là-dedans. Je veux avoir un accès à ma, voilà, à ma station. Raffinerie. Je veux entrer dedans. Voilà, c'est réglé. Maintenant, je vais simplement ordonner dans ma faction. Non. 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 Deux. Attendez, il faut que j'y aille. Ma faction. Je veux que on exclue. Comment il s'appelle déjà ce secteur là? Attendez, il faut que je retourne. Universe map. Larvol. Larvol, je vais me faire détruire si je vais là-haut. Le problème, c'est que c'est une source de revenus. Ça me. C'est un peu triste, mais je vais devoir. Bon, alors du coup. Là, c'est un peu triste. J'ai perdu mon vaisseau de trade. J'ai perdu leur vaisseau, bah, le vaisseau qui les protégeait. Dans les settings, je vais faire un truc très simple. Je vais mettre en pause le jeu. Je vais aller dans les manages. Je veux juste changer ça et je veux que ça dure 2 days. Tous les 2 jours, vous allez vous réparer. Ok. Et ensuite, repair, ce sera donc. Ouais, ok. Tous les 2 jours. Maintenant, il va falloir que j'engage après des vaisseaux pour aller le protéger, mais j'ai pas les moyens pour l'instant. Donc voilà, deuxième épisode. On perd déjà notre vaisseau. Donc notre stabilité, notre puissance qu'on commence à acquérir, vient d'un coup de se stopper net. Hein, ça aurait été efficace. Enfin bref, on repart au sommeil, en espérant qu'on perde pas tous mes vaisseaux, tous nos vaisseaux. On a du revenu, donc potentiellement on a déjà remboursé les 2 vaisseaux qu'on a perdus, sauf le gros vaisseau qui lui coûte aux alentours de, je sais plus si c'est lui qui coûte 300 000 ou 700 000. Bon, en résumé, on a quand même une grosse perte, hein, je vais pas vous mentir. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui dis que j'ai une détresse. Alors, c'est Friendly Pilot. Parce qu'en plus, j'ai, sans faire exprès, attaqué l'autre section. Donc, ça aurait pu très mal tourner, quoi. Si je regarde, je crois qu'ils sont sur le point de retourner dans l'autre station. Larval. Ouais, allez, tant pis. C'est pas très grave s'ils sont attaqués. J'ai arrêté qu'on les racheter, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Je vais build un truc hein, qui va être indispensable, c'est-à-dire une station de sécurité. Je veux que tu sois. Non, on va pas la build. Par contre, on va build de small satellite. On va le build plus loin. Mais avant, en fait, avant de faire ça, on va d'abord acheter un nouveau navire à 22 000. Je l'achète et j'entre. On unlock. Et on va aller. Waouh! Est-ce que je me pose une question? Est-ce que si je peux comment? Je peux rentrer dans ce navire? Allez, travaille pour nous. Là, j'ai acheté des informations. Excuse-moi, j'ai pas parlé. Du coup, c'est nos amis, là, ils vont escorter certains de nos vaisseaux. Je vais aller construire, pendant ce temps, moi, je vais aller construire des satellites. Du coup, je peux rentrer. Mais je vais exit le shit parce que j'ai pas besoin du. Ah, maintenant. Hangar, je vais entrer ça et je vais undock. Et moi, je vais aller construire des satellites un peu partout, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir. Là, tiens, je veux build un satellite. Build, hop, build, c'est fait, c'est en construction. Hop, maintenant, on se casse.
En attendant, du coup, je vais rentrer à la base. On va rentrer à fond les balles, les gars. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ah. Est-ce qu'on s'entend mal avec une faction de mineurs? Freelancer, alors? Est-ce qu'on s'entend mal avec des freelancers? Genre là, on se fait attaquer, c'est ça? Je vais aller voir. Attendez, je me pose la question dans le secteur map. Ouais, non, ça a l'air d'être tranquille. Je vais donner un ordre à mon navire qui est chez moi, là. Si, je me fais attaquer, je sais pas, une blague. Tolki, je vais lui donner un ordre. Ney Order. Et je veux que tu ailles... Bah, que tu ailles rien faire, parce que tu peux rien faire. Et de ce fait, du coup, je vais... examiner du coup la carte, du coup Universe Map, parce que du coup j'ai découvert des trucs. Je veux que Intel, je veux t'acheter des secteurs. Ok, ensuite je vais te... Intel, puis secteur Intel. Donc là si je fais normal et que je retourne dans d'un coup, déjà avant je vais rentrer chez moi parce que voilà. Hop, on rentre dans ma station. Et je veux ensuite aller dans l'univers map. Voilà, donc j'ai découvert pas mal de trucs. Et là, si je fais un view sector map, je ne connais rien du tout. Par contre, si je vais ici, par exemple, view sector map, je connais maintenant. Ok, je peux aller trade à d'autres endroits. Je suis plus obligé d'aller ici, c'est dangereux. Pas du tout de sécurité ici, apparemment. Là, du coup, nous avons, si j'ai bien vu... Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc ici, c'est des bases pirates. C'est ça. Enfin bref... je pars de ship. Et je vais lui donner un nouvel ordre. Je vais voir si cette fois-ci ça va marcher, hein, Ney Order. Et que je vais lui demander de... rester ici parce qu'il peut me servir. Et on retourne dans le sommeil. Là, c'est parti. Un taxi ici, à moins qu'il y ait une station chez moi ou à côté. Une station par là, alors dans des zones plus dangereuses, plus reculées. Voilà, ici il y a une station. Donc je vais donc là, je suis loin. Je pense que si je regarde au niveau du secteur, là je suis clairement plus éloigné. Voilà. Voilà, je suis... Oh non, bon, ça déjà, c'est déjà ça. Ville pros et temps part. Ville pros, temps part. Déjà, c'est très simple. Je veux que... dans la faction setting. Je veux que... Ville pros... Ville pros... Temps part. Non, on va juste faire ville pros pour l'instant. Ville pros, ok.
Ensuite, on va créer. On va acheter deux petits navires pour seulement 214 000. On les achète. On va dans propriété. Je prends les plus proches, donc c'est eux, voilà. Donc multi-select, hop, hop, je leur donne un nouvel ordre, hop, c'est trade. Hop, ensuite je retourne là. Je vais dans les flottes, celle-là elle est à côté de moi, donc je vais lui donner. Ok. Je me demandais où était passé l'autre flotte. Et je vais lui. Déjà ça. Je vais pas. Donc les déjà mis de base. Ok. Puis voilà, c'est tout. Et eux, ils auront pas de. Leur base, eux, ce ne sera pas elle. Parce que sinon, ils seront loin. Ils n'auront pas de base. Si ils auront une base, tiens, ce serait. Cette station-là. Non, pas de base, ils iront où ils veulent. Moi, maintenant, je prends mon taxi. Oula, non. Je prends mon taxi. Je me rebarre vers chez moi. Ah, merde, je voulais pas faire ça. Je rachète le taxi. Voilà. Et on va s'acheter 5 trucs comme ça. On est parti. Est-ce qu'on va être gagnant? Est-ce qu'on va être perdant? J'ouvrirai 5 trucs comme ça par vidéo. Ce sera la surprise. Hop, hop. On espère gagner. Pour l'instant, non. Bon, il y a aussi peu de chances de gagner. Ça donnerait surtout un coup de boost, hein, ça. Voilà. Le quatrième. Et le cinquième. Et rien. Dommage. Rien pour cette fois-ci. Enfin bref, ce qui va clore notre. Bah, ce qui va clore la vidéo. Pas grand chose d'autre à dire. Sur ce, ben, je vais vous dire à plus. Hein. Je vais farmer un peu de mon côté. Je vais pas vraiment agrandir l'économie. En fait, je vais rien faire de plus. Je vais juste économiser l'argent pour vous épargner la partie où on va juste attendre, attendre et attendre. Vous me direz en commentaire si vous voulez les accélérer. Si vous voulez que je fasse des ellipses ou les accélérer. Voire les deux, si vous voulez que je fasse les deux en même temps. J'essaierai de me débrouiller. Enfin bref, sur ce, moi, je vous dis à plus. Alors. Et je vous promets peut-être que je finirai par faire des lives sur le temps de farming, justement. Enfin bref, en tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est à plus. Bonne soirée, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, voire lâcher un commentaire, ce serait top. À plus!